meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. This also is very important. Tu l'as récupéré? So I need to call upon your skill once more. The Ankaran sarcophagus was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. I would like you to bring it back here for safekeeping. Bien sûr, bah je fais tout, ouais. Avec joie, mais il vient juste. Let me finish. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. Bah bien sûr. Mais t'as vu la taille du truc? Fais quoi, je le porte sur mon dos? C'est comme s'il était ici, j'ai besoin d'argent, travailler ça coûte cher. Je ne sais même pas pourquoi je suis allé voir Groot, j'arrête de faire de vos commissions. Non, il ne sait pas, il y en a marre. I have methodically calculated a solution to each dilemma thrust upon our community. And I don't have the time to paint your tiny mind its place in the big picture for each and every instance. So either serve your function, or get out of my sight. Bon, que ce que je dois faire, je n'ai pas besoin de vous ni de la camarilla, vous avez intérêt à me remplacer, votre esclave s'en va, vous pouvez vous foutre de la camarilla, la sarcophage et votre gorille au cul, au revoir. J'ai envie de... Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ouais, votre esclave, il s'en va, on va tester, voir. Show him out. Là, il va me tuer. Pero... Oh, il m'a viré. Vraiment? Ah, mais je perds plein de quêtes du coup. Oh. Yeah, you go right on up and see Mr. LaCroix. Ah, j'ai... Ah, cover me, Tubbs. Must have dozed off there a minute. Bon, on va retourner le voir quand même. Ça fait le mec trop faible, quoi. Non, mais j'y déconnais en fait. Those who scorn me are not often given a second chance to return to my favor. Make your case quick. Ouais, sinon on va louper des quêtes, c'est embêtant. Ça ne se reproduira pas, mes sincères excuses. Your youth and ignorance. Sinon, on est bloqué de toute façon. Excuse for your impudence, but I still have use of you. See that it never happens again. The only use for two olive branches is kindling. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive. Ouais, c'est vrai. Ça se passe bien jusque-là. Mm. Je suis prêt à partir, mais d'abord, il y a quelques questions. Il veut même pas me répondre. Oh, bon, je me casse. De toute façon, on a déjà tout... Ah, quoi que Groot, attends. Il est primogène, tout ça. Waiting. Ouais, mais attends. Ah, c'est une voiture encore. Non, non, non. One or two, but that's ah, all. Tu vois, t'as envie de parler. Ah, bah oui, comment Bach vous connaît-il? Qu'est-ce qu'une chasse comme celle dont vous parlez? Ouais, non, comment Bach il te connaît? My history with that family dates back to Bach's grandfather, who pursued me into Africa, where I killed him. Bach's father tracked me to London to meet his death. And now Bach and the Society of Leopold have followed me across America. Hmm. They never learn. L'ordre de Léopold? Witch hunters. An anachronistic holdover from the Middle Ages. They are inquisitors, whose fanaticism has convinced them that their triumph over the supernatural will save mankind and secure them a cushy spot in heaven. C'est un beau programme. Qu'est-ce qu'une chasse du sang? A blood hunt is a death sentence. When one commits a high crime against our society, a blood hunt may be called. It is then the responsibility of the city's kindred to bring the offender final death. Trop bien! C'est un peu comme le djihad, en fait. Il peut partir tout de suite. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Aye, aye. Excuse me. Je t'excuse. Bah alors, il y a un vampire là-dedans, hein. Il y a un vampire qui a tué tous les membres de l'équipage du Dane. J'en ai pas parlé, c'est vrai. Puisqu'on a dit au prince qu'on avait vu que le sarcophage avait été ouvert de l'intérieur, il a aussi été refermé, hein. C'est pour ça qu'il y avait des marques de sang. Autour, les mains pleines de sang de la créature à l'intérieur. Là, c'est des traces, très discrètes. En mode, je vais me recoucher, j'ai bien mangé. Respect. Alors, le musée, faut prendre le taxi. Ouais, il dit qu'il allait m'envoyer une voiture pour que j'y aille.
On va d'abord faire un point expérience. Nous avons 13 points. Alors on va se concentrer sur la séduction, c'est très important dans ce jeu. Puis la magie, je pense. Le reste, pour l'instant, c'est pas trop dégueu. Oh, faudra que j'augmente... Furtivité serait pas mal, en fait. J'ai que 2 points. Je vais mettre un point furtivité. Allez, fais pas l'enfant. Et je vais mettre un point... Domination, c'est pas trop la peine. Augure. Ouais, augure, c'est du caca, quand même. Pardonnez mon langage, mais bon, c'est vrai, quoi. Finance, on s'en fout. Mêlée, on a de la magie, hein. Bon, ouais, esquive. Esquive, ça peut être pas mal. Ouais, mais non, on n'a pas envie. Ouais, on verra. Where to? Au musée, ma poupoule. Ici. Oh. Je ne sais pas trop comment faire évoluer Ricky. On va peut-être un peu se concentrer sur les sorts. La force, tout ça, on va oublier. Hein. Sort et séduction. Quel beau mélange. En raison de circonstances imprévues, les affaires de Madame Lyotta ont été déplacées sur la jetée de Santa Monica. Ah bon? C'est quoi ça? Sur la jetée? Hein? Ouais, j'y vais voir. Ça me dit rien du tout. On va sauvegarder. Lui va être chiant, hein. Insecte ancien. Oh, c'est le moustique de Jurassic Park. Bon, faut pas tuer de garde. Tellement pas vu, quoi. J'étais même pas accroupi. Oh, ils s'en foutent, en fait. Allez, c'est ouvert. Ça aurait été étonnant. Il y a des caméras. J'ai entendu. 10. Problème. C'est problème. Je peux aller parler aux gardes. Probablement lui dominer sa race. Ou alors il y a les clés intérieures de sa petite cabane. Pas l'abri. Non, il n'y a rien, on dirait. Bonjour. Ça va? Beau gosse. Mais il s'en fout. Alors, si on peut pas rentrer par la porte principale, nous allons chercher une entrée subalterne, n'est-ce pas? Dinosaure! Né. Oh, je suis trop pequeño. Aïe. Bon. Une plaque d'égout? Ouais, ça marche ou pas? Ah, t'es désolé. T'es désolé pour toi-même. Ça a l'air bien ici. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air bien. Non mais, d'accord. Bon, bah ça a été court mais intense. On va repartir, on sait pas où aller. Mais regarde, ça te tend les bras? Non, tu veux pas. Je peux aller où là? Ah, je suis bloqué. Ah, c'est la gonzesse, d'accord, qui est la voyante là, c'est la Sinclair en fait. Madame, on dirait qu'elle a 20 piges. Une belle femme, hein. Petite jeune. Voilà. Bien. Bon. Je suis comme un con. Ça fait plutôt plaisir. Je suis pas mécontent. Alors, comment je trouve une clé, moi? Comment fais-je? Pourquoi on peut pas te parler à toi? Tout ceci n'a pas grand sens. Ah, c'est la voiture de Shérif Fais-moi peur. Avec le drapeau sudiste sur le toit. Ouais, chérie, fais-moi peur, hein, c'est une vieille série. Bon, t'es dépanné, cherche pas. Bon, j'en ai eu marre, je suis allé vérifier sur internet, et en fait, le prince était censé me donner une clé. Voilà. Il me l'a pas donné. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Bon, je vais voir si je peux bidouiller la console pour la récupérer. Voilà, je me suis donné la clé. Avec la console. Oh, c'est bizarre, c'est un bug. Déjà en 2017, il y en a qui l'avaient, donc... Mais bon, normalement c'est censé être corrigé, je sais pas. Peut-être des bugs qui réapparaissent au fur et à mesure des mises à jour. Apparemment, le code, c'est un beau bordel. Vu que les mecs ont pas eu le temps de peaufiner leur jeu... Ils l'ont fini un peu à l'arrache, semble-t-il.
C'est ça que normalement on arrive directement dans le musée en fait. On n'a pas cette phase dehors là. Non, on ne l'a pas. On arrive directement. Je vous ferai voir. Si on passe devant, bien sûr. C'est plutôt reconnaissable facilement. Vu qu'il y a un dinosaure empaillé. Pas empaillé, n'importe quoi. On a empaillé un dinosaure. Ah, c'est bien. Ça n'existe plus, tu sais, les dinosaures. Quelqu'un là ? Voilà, on arrive là normalement. Je sais pas où est censée être la porte par contre. Je sais pas comment ils ont fait le truc. Très drôle, vous avez foutu les jetons à l'équipe de nettoyage et maintenant vous voulez bien mettre le joli dino à sa place ? Oh, et ne laissez plus traîner vos clés comme ça. Le Marshall va vous virer. On arrive quelque part par là parce qu'on arrive assez rapidement devant ce dinosaure. Y est quoi ? Un bien beau musée, hein ? Bon là, notre point en furtivité va bien nous servir. Non, là, tant bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le sarcophage. On cherche des ordinateurs à pirater, on cherche des clés, on cherche tellement de choses. On va se perdre un peu, on va être bien. Viens te perdre avec moi. Viens te perdre avec Ricky. Ah, on est bien perdu là, ça y est. Bon, ils sont les bureaux là dans votre truc. Le problème c'est que ouais, faut que je fasse gaffe quand même. Je fasse gaffe au croisement déjà. Accès. Ah non, c'est là qu'on arrive, je crois. C'est fermé. Ouais, voilà, accès au toit. On arrive là. Et puis de là, on se régale. Tout à fait, tout à fait. Bon. Il y a une marmotte. Et un sanglier. Des hérissons. Un raptor. Un diplodocus. On va aller au milieu. Superbe ptérodactyle. Bon, bah, c'est bien le milieu, dis donc. C'est bien pour se faire gauler, ouais. Bon, bah. Bon, les bureaux, ils peuvent être en bas, peut-être, remarque. C'est que j'en sais foutre rien, moi. Oh, Tyrannosaurus. Hippopotame. Rhinocéros. Encore une marmotte. Un gros chat. Sûrement un chat préhistorique. Ah, on est revenu là. Eh ben voilà. Maintenant, on sait un petit peu ce qu'on doit faire. Ouais, ouais. Des autruches. Il y en a des bestioles. Encore un raptor. Hein. Là, il n'y a rien. Rhinocéros. Il y a beaucoup de rhinocéros aussi. Moi, je reviens descendre. Voilà. Hop, hop, hop. Putain, il m'a fait peur, le con. D'accord, c'est... D'accord. Ça surprend. Les gardes, apparemment, s'en foutent. Tant mieux. La belle poporte. J'aime les portes. Ah, oh, ouvre-toi! C'est bien. Ferme-toi vite. Parfait. Il y a peut-être des panneaux, mais j'ai pas fait gaffe. Hein. Je sais pas où je vais. J'ai envie de me promener un petit peu. Ouais. Je vais sauvegarder quand même. N'oublions pas. J'ai absolument rien fait, mais ça ferait quand même de la peine de devoir le refaire. Ah, bah voilà, des ordinateurs. On est bien là. Abruti, Jeanne les a trouvés entre les coussins du sofa en bas et les a déposés dans les objets trouvés. Arrête de laisser tes clés partout comme ça ou la prochaine fois je demande une prime pour les avoir retrouvés. JJ. Les objets trouvés. Je sais pas où c'est, ça m'avance pas beaucoup. Flacon des médicaments. Encrochette tout, allez là. Ouais.
on descend. On va dans les sous-sols, ça s'annonce plutôt bien, parce que ça veut dire que c'est là où ils gardent les choses qui sont pas encore pour le public. Ah si, ok, c'est pour le public. Merde, au sud de la ligne verte. Chut, ça va aller. Voilà, il s'éloigne. Par contre, il y a des caméras. Ah, mais il y a un mec. Oh là là, il y a un mec devant des écrans de contrôle. Oh là là, oh là là. Attends. Ah bah, les caméras m'ont vu, ouais. Ah, c'est de la merde. Hein. Merde. Bon, on va faire du repérage, tant pis. Ah, mais les caméras, comment je les vois, moi? Regarde là, elle. Elle va me voir ou pas? Oh, non, non, c'est bon, tais-toi. Oh! Bon! C'était à chier, j'ai rechargé. Je vais voir les autres portes du rez-de-chaussée, là. J'ai envie de découvrir des belles choses. C'est ça que je dois. Oh, bah, c'est l'entrée du musée, ça. Je dois retrouver. Oh là là, il y a un garde. Oh... Hop, hop, c'est bon. Je dois retrouver un objet pour Picha, un artefact hein, d'une tribu. Hey, stop right there. Oh, voilà aussi. J'ai cru voir des pieds. Ça se confirme. Il y a quoi ici? Il y a des belles choses. On peut. Putain, on peut faire plein de trucs. Je vais voir. Je suis un fou. Hop là. Hop là. J'ai envie de visiter un petit peu, voir où ça mène. Sûrement rien d'intéressant, mais... Oh, chiotte, d'accord. Mais encore. Il y a quoi, là? Là, il y a... c'est les bureaux ou pas? Non, c'est pas ce que je connais. Une salle avec plein de... Waouh. Ah d'accord. Ah bah voilà. Bon bah voilà, on sait qu'il faut venir là. Je vais aller là. Sécurité du musée. Ça a l'air bien. Ça serait mieux que les chiottes. Hein. Sûrement plus de choses à faire. Ouais, tu t'es un peu avancé, je crois. Ah voilà. Bah tu vois, alors, email, ça c'est intéressant, toujours. Oh là là, t'as bien écrit, moi. Allez, vas-y. Iluvga, oula, oula, oula. Ah bon, Iluvgab, ok, ça existe, très bien. Rappel, juste pour vous rappeler que le professeur Anders Johansen, le mec du sarcophage, sera présent au musée durant les quelques jours à venir. Faites preuve de courtoisie et soyez professionnel. Le mec. Merde, merde. Fétiche. La statue sur le bureau de Daryl me fout les jetons, j'ai travaillé jusqu'à tard l'autre soir et je jurais l'avoir vu bouger. Encore une de vos blagues? Si c'est le cas, ce n'est pas drôle. Pam. C'est ça qu'il faut que je retrouve pour Picha. Ouais, le fétiche. Fétiche maudit. Elle m'avait détecté un virus dans la pièce jointe de ce message, le fichier était mis en quarantaine et un avertissement a été envoyé à ADCXU. Ouais, intéressant. De Gigi. Ah, les clés que vous avez trouvées, ce sont celles de Gary. Je lui dirai que vous les avez laissées aux objets trouvés. D'accord. Et la boucle est bouclée. C'est bien. Maintenant, voyons les ventes. Axo. Ah, oh, compétence trop faible. Mince. Si, ça veut rien dire aussi. Augure. Hop là. Allez vite, vente. Dépenser du sang pour ma curiosité, c'est terrible. Griffe. Ouais, d'accord. Consulter. Les chiffres de vente ne sont pas disponibles en ce moment. Ça fait mal. Si, ça fait mal. Bah, ça arrive, hein. Écoutez, on ne peut pas gagner à tous les coups. Vite, sauvegardage. Ah. Ah, merde. Faut un pass. Pour arriver aux objets trouvés, pour trouver une clé... Qui me servira sûrement plus tard. À quoi je ne sais pas, mais. Faut une clé. Il y a des belles portes partout là. Bon, je me suis tapé le tour. Les portes là-bas, il n'y en a aucune où on peut aller. Ce sont des portes peintes sur les murs. Encore, plutôt étrange. Hein. Ah, on voit clairement les pieds là. Bah ouais. Ah là là. Donc il me faut une carte magnétique.
pour trouver les clés de Gary. Ils me serviront à... sûrement des choses palpitantes, mais... Parce que là, c'est surtout dans la salle où il y a le... Il y a les écrans de sécurité et tout, je fais quoi? Bah, le garde, il va rester là. C'est ça le problème. C'était là. Là, c'est donc la salle... Ouais, voilà, il y a du rouge partout, ouais. D'accord. Bon, bah ça m'avance pas des masses. Et là, c'est quoi, là? Moi, je peux y aller, hein. On y va. Oh, c'est une blague, j'ai fait le tour. Mais non, c'est pas une blague. Oh, putain. Ah, oh, c'est marrant. On va y retourner. Bon, l'autre, il est toujours en train de pisser. Avoir un problème. Donc, je vais aller là. J'ai cru que c'était un mec. Ce n'est qu'un fauteuil. Le problème, c'est que là, ouais, là, je suis bloqué. Là, d'accord. On va se faire une petite sauvegarde. J'ai une chaise éventuellement à balancer pour attirer le mec, je sais pas. Pas mal. Passer derrière lui. Ouais. Ah bah il est là le passe. Ouais mais il va me voir ou pas? Je n'ai pas le choix. Clé du sous-sol du musée. Ah bon? Mais... Je veux dire que c'est un truc que j'avais crocheté facilement. Merde. C'est donc la clé de Gary. Et là on part. Bah j'ai fait tout ça pour rien mais au moins... Voilà hein. Enfin je crois. Au moins on a vu un petit peu qu'il y avait de la vie dans ce musée. Et ça c'est important. Pas le laisser passer. C'est là qu'il ouvre la porte. Tu chiales. Alors faut que j'aille où? Je sais plus, c'est là? Non, pas du tout. C'est là? C'est quoi ça déjà? Ouvre là. Ouais, c'est par là. Maintenant, il va falloir esquiver les caméras. Ça va être chiant. Ça avait l'air chiant. Ah, comme quoi, on n'est pas obligé de prendre crochetage et tout, hein. Bon, on gagne un peu de temps, quoi, si on le fait. Et puis, ça peut être important pour certaines choses, je suppose. Alors, comment je vois la caméra, moi? D'accord. Donc, le garde, il tourne... Marche si je tourne pas dans le sens que le garde. Arrivé, le garde. Merde. Merde, sort. Qu'est-ce qui se passe? Oh, par l'autre côté, hein. Ouais. Fais comme on a dit. Ils sont combien? Ils sont deux, je pense. Je sais pas. Oh merde! Mais t'es pas parti faire ta ronde? Oh putain! Le mec, il ouvre la porte. Pourquoi faire? Il y a un objet en plus. Vas-y, j'y vais direct. Il me tourne le dos, c'est bon ça. Alors, hop! Ouais, mais voilà pourquoi il fait ça. Je sais pas. Je vais le laisser un peu faire. Vite, faut que j'y aille. Vite! Ouais, mais tu bloques en fait! Ouais, mais tu triches. Bon, c'est quoi ta merde là? Laisse-moi voir, c'est quoi? C'est un livre de compétences très intéressant. La porte s'ouvre. Le mec sort. Enfin sort, il essaie de sortir mais je crois qu'il est bleu, il est bugué je crois. Alors attends. Attends, bouge pas. Caméra, pas bon, le mec est encore là. Ah il reste entre les mains de la porte, bah comment veux-tu aussi? Ça y est, il a bougé. Oh le champion il arrive. Parfait. Alors là, on est bien. On est bien. Ça va être compliqué, à mon avis. Stop right there. Ah, d'accord. Allez, mais bouge. Regarde, viens. Viens. N'aie pas peur. Ah, non. Oh, c'est dur. Faut être fort. Ah, oh, putain, il bon, en même temps, c'est pas mal. Je vais juste choper l'objet. Là, on a failli se faire gauler. Freeze! Ça se passe plutôt bien, hein?
se régale. Ah bah j'ai une hache. J'ai pas chialé après. On peut désactiver les caméras de là, d'accord. Je vais essayer jusqu'à ce qu'ils sortent, hein, pour pouvoir m'infiltrer, récupérer le bouquin, pirater tout ça, désactiver les caméras pour me promener un peu. Et je sens que va falloir un petit peu de temps pour que tout ça concorde. Oh, il est chiant, hein. Je vais aller me promener un peu, ça va. Ah, mais je peux pas, mais ouais. Je suis obligé de désactiver tes caméras, mais tu sors pas de ton bureau. Comment je fais? Hein? C'est pas une mission pour moi, j'ai pas le bon vampire, là. Il me faudrait un Malkavien ou un Nosferatu qui se rende invisible. Comme ça, je rentre invisible, hop, hop, hop. J'arrête les caméras, on est bien. Bah, je suis limité, là, hein. Pour ce genre de mission, mais c'est pas bon. En même temps, pour quelle mission ne suis-je pas limité? C'est une bonne question. C'est un peu offensant, mais... c'est vrai qu'en tant que... magicien faible en combat, bon, bah, il reste pas grand-chose, hein. J'arrive même pas à draguer les gonzesses, il y en a une qui me résiste aux confessions. Ouais, c'est dur. Riki, je le mets en question. Bon, on va juste viser le livre. Ouais, ça me saoule, là. Il bouge pas, donc, au bout d'un moment, hein. On va viser le livre. Je vais attendre qu'il aille au fond. Les caméras, bah, au pire, je les esquive, hein, et puis c'est pas grave. Bon, j'essaye. Il va falloir trouver le bon timing avec le garde qui est là, quoi. Il y a un garde qui se promène, donc si... Oh, putain, il va pas... Il va pas dans le fond, mais il se fout de ma gueule, hein. J'ai encore peur qu'en ouvrant la porte, il se retourne, même s'il est à l'autre bout de la pièce, mais bon. Ouais. Oh, il y va direct. Merde. Non, tais-toi. Chut. Bon, on va tenter une approche furtive. Mais pas trop. C'est-à-dire que... On va juste esquiver les caméras, en fait. Voilà. Oh putain, il va au bout, il va là où je veux. Je veux récupérer le livre quand même, c'est important. C'est un point de compétence gratuit. Ça se refuse pas. Non, faut pas gâcher. Encore là? Ouais, alors on va voir si... Putain, il bouge. Ah ouais, mais il est tellement rapide. Non, la porte s'ouvre avant qu'il arrive, c'est vrai. Wow! Allez, gringo. On dirait qu'il marche beaucoup. Ouais, on dirait. Est-ce qu'il est au fond de la salle? Ouais, il est. Allez, casse-toi la caméra, là! Je comprends pas que c'est très tendu. Ah, il me voit pas. Il me voit pas. Ah, il me voit pas. Ah, il me voit. Ah, il me voit. Il me voit pas. Il me voit pas. Il me voit pas. Il me voit jamais. Ok! Merde! Oh, il y a des gardes partout, cette blague! J'ai la foi. J'ai la foi. Allez. C'est bon. Ensuite. C'est bon. Cours, 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 cours. Avant que la caméra se rende vers toi. T'es bien. C'est pas où tu vas. C'est pas grave. Va te cacher quelque part. Pour sauvegarder. Pour te ressourcer. Oh oui! Oh oui! Ok, on est rentré. Plus profondément. Sauvegarde. J'ai le livre, tout va bien. Marshall a encore changé le code, il est en pleine crise d'autorité. Je pense que tu as raison, il a fait en sorte de l'envoyer à tout le monde sauf à toi, encore une fois. Ceci dit, on ne peut pas dire que tu lis souvent ton courrier. Le code est 2358. Tu me dois un déjeuner. Anneau en or, montre normale. Putain. Il n'y a pas de petit profit. Re-sauvegarde. Parce qu'il faut ressortir maintenant. T'en débrouille pas. Non. Débrouille pas partout. Ça me perturbe. Là, on est bien. Ah merde. Elle me voit d'aussi loin l'autre ou pas? Elle a pas l'air. Très bien. Continue, hein. Pour les gardes, eh ben écoutez.
advienne que pourra. Parce que là, franchement... C'est tendu. Merde, c'est fermé. Putain. Allez. Par contre, à se cacher. À se cacher. On sait jamais. Clé d'atelier. C'est bon, ça. Un ordinateur. Ça aussi, c'est bon. Tu m'as fait peur. Fais pas peur comme ça. Email. Tu t'es trompé. Je t'ai vu. Email. Mot de passe. I hate my job. Ah voilà, on m'a vu. Super. On s'en fout, on va lire les mails. Johansen. Pour info, je verrai le professeur Johansen personnellement. Je crois qu'il préfère ne plus être harcelé par les plus jeunes d'entre vous. Bien entendu, si vous avez des questions, je lui en ferai part. Fétiche. Du calme, Pam. Le fétiche, donc, je pense qu'on l'a mis sur un bureau pas loin du sien pour lui faire peur. Du calme, Pam, je lui ai fait déplacer la statue dans un... Écoute-moi bien, toi. Non, mais... C'est de combien, les mecs. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, on peut pas viser, c'est vrai. C'est bien. Ouais, le... Ouais, non, mais je tiens dans un... Mais non, je tiens dans quoi, là? Moi aussi, il tire très mal, ce qui me rassure. Bon, c'est rouge, hein. C'est rouge, c'est qu'il y a une cible. Voilà, meurs. Mourez les clones. Je lis les mails et je recharge. Non, faut pas déconner. On peut pas les lire, il y a des tours de garde et tout. Comment voulez-vous? Alors, du calme, Pam, je lui ai fait déplacer la statue dans un autre bureau. Oh, et tu as une bise de sa part. D'accord. Nouveau code. Pour notre sécurité, nous avons changé le code de la zone B2. Le nouveau code est 2358. Ouais, il entre en vigueur dès maintenant. Je vous encourage tous à changer également vos mots de passe email si vous ne l'avez pas fait au cours des 3 derniers mois. Oh, le mec. Saloperie, va. Résultat. Des analyses, peut-être. Voyons voir. Let me in. Affiché. Vas-y. Analyse en cours, temps restant estimé 5 heures. Bah écoute, c'est intéressant, hein. C'était très intéressant. Bon, bah je recharge. Bon, faut juste que je récupère la clé magnétique. Ah, bah y'a un code là. Ah, ouais, putain, c'est là. 2358. Ok, c'est bien. Ah, c'est une nouvelle zone, d'accord. Attends, il me faut la clé. Il me faut la clé quand même, hein. Je sais pas quoi elle sert, mais. Dans le doute. Ta porte. C'est bien. 35. Ça c'est fait. Je sais pas quoi si ça me servira, mais. Je sais pas à quoi si ça me servira. C'est la France. Oh! Expérience à sauvegarde. Donc parce que là si je le suis, on va où? Merde. Caméra, c'est vrai. Toujours des caméras de toute façon. Enfin, caméra 1, oui, on pouvait juste faire informatique caméra 1, caméra 2 dans la salle de contrôle, mais bon, vu qu'il y a 8 caméras, on dirait. Super. J'ai envie de visiter un petit peu, voir ce qu'il y a. Ah, le fétiche est là. Merde. Ah non, c'est pas dans cette zone-là. A priori, on a tout fait ici, hein. Ouais. Parce que là, on fait le tour. Tac, tac, tac. Là, on revient au démarrage. Pause, pousse-toi, s'il te plaît. Hey, stop right there. Eh non, tu m'as pas vu. D'accord, c'est bien ça. Ouais, c'est bon, tout est fait à ce niveau. Enfin, à ce niveau. Maintenant, faut prendre la porte magique, là, très bien. J'espère qu'il n'y a pas de garde. Non, il n'y a pas de garde. Ouais, bien sûr que non. Voilà, bon, on va être tranquille, hein. Ah, c'était la partie ouverte au public, donc on pouvait voir à travers les vitres et tout. Il n'y a peut-être plus de caméra là. Plus dur est passé. Ah putain. Ah, il va me voir. Non, c'est bon. Chut, chut, ça va, ça va. Détends-toi. Si on court. On n'a pas le temps. Très bien. C'est passé. Ok. Alors le fétiche, attends, où est-ce qu'il va être? Quelqu'un là? Ah, oh, il y a un mec. Ah, oh, merde, il a son flingue. D'accord.
Il a vu des choses, lui. Oh, putain. Ah, mais c'est tout ? Non. Non, je te crois pas. Non. Non. Ça peut pas être tout. T'as pas le droit. T'as ma parole. Ah, je suis au bout du rouleau. On peut rentrer par là, au moins ? On peut même pas rentrer ? Si, peut-être. Ouais, c'est un peu long, hein. Tiens, c'était des portes. Là, comment tu passes, là ? Tu fais comme ça, tu fais... Hop ! Ah, super, l'agilité. Non, mais n'importe quoi. Bon, il doit y avoir un passage... Un beau passage. C'est même pas la clé que j'ai. Oh, putain. Je vais être obligé de péter la vitrine pour choper le fétiche, je crois. Hein. Parce que l'autre zone, là, qu'on débloque... L'ombre d'un garde. L'autre zone qu'on débloque... Bon, porte pas grand-chose. En même temps, je suis invisible. Donc, enfin, je suis invisible. Personne ne m'a vu. Donc, coup de batte. Ah, on peut même pas rentrer, mais comment on rentre ? Oh là là ! Bah, misère. Misère à décadence. Je peux pas les shooter, les caméras, là. Ça serait bien, ça. Le problème, c'est que c'est pas très discret, mais bon. Bravo. Ah, je peux ! Ah, mais c'est bien ça! Par contre, les vitres. Oh, ma parole! Bah, si! Oh, bah alors! Personne ne m'a vu? Si. Des gardes qui s'agitent un peu. 39, 40. Ils savent qu'il se passe quelque chose! Ils sont deux, putain, ils vont rester là. En même temps, la vitre est pétée, je les comprends. Ah, mais il n'y a pas de porte, d'accord, on est obligé de casser la vitre. Hein. Oh, super discrétion. Ils sont trois. Génial. Ils sont quatre. Comment ? Ils sont innombrables. Allez, barre-toi, toi. Suis tes potes, c'est bien. C'est quoi qu'ils aient averti ? C'est le coup de feu, peut-être. Ouais, en même temps, je peux comprendre. C'était pas très discret, mais c'était efficace. Bon, alors maintenant... Merde. Tu m'as pas vu. Tu n'existes pas. Ah, personne. Je suis trop rapide. Pff, il a même pas bougé. Il avait une ombre. Une ombre qui sent bon le patchouli. Allez. Je pourrais tellement le tuer. Faut résister. C'est pas sa faute, c'est son travail. Ouais. Voilà. Comme c'est qu'il va pas bouger. Ça, on le sait. Hein. Ouais, on le sait. Tu vas bouger, là, tu vas voir. Il est encore là ou pas ? Ah, je vois plus rien, maintenant. Super. C'est ça, là ? C'est lui, là ? Il a tellement pas bougé, le mec. Hop, hop, hop. Ah, je me régale, putain ! On va tenter de démolir la caméra à coup de batte de baseball. Ça me paraît bien. Ça fera moins de bruit, peut-être. Bah, bah, peut-être, c'est sûr. Ou alors, on s'en fout de la caméra, après tout. On s'en fout. L'important, c'est cette vitre. Attends. Alors. Et là, je passe au travers. Voilà, on est bien. Est-ce que ça les énerve ? Est-ce que tu peux ramasser cette magnifique chose qu'on n'avait pas eu le temps de voir tout à l'heure ? Bon bah c'est bon, ils s'en foutent. Ah bah je peux sauvegarder. Oh, ils en ont rien à foutre les mecs. Mais ils sont bien, ça c'est des bons gardes ça. Hop là, non tu me vois pas, tu me vois pas. Je suis trop rapide. On espère qu'il n'y a pas de garde au bout par contre, comme tout à l'heure. Peut-être vérifier. C'est là qui... Merde, non, non. Attends, c'est la caméra qui m'a chopé. On y va tout droit. Je vais vous vérifier s'il y avait un garde, mais... On s'en fout des gardes. Pas de garde ? Bah tu vois, il n'y a pas de garde. Bon, voilà, donc là... Là, c'est fait. Sauvegarde. Maintenant, il va falloir galérer pour passer là.
Parce que je vois pas trop comment on peut faire de manière discrète. Je pourrais la péter, elle remarque, y a personne. Je peux la casser ou pas? Ouais, tu peux pas. Si tu sautes. Allez, on se casse. On arrête de jouer avec les... avec la technologie. Alors là, on pourrait se dire, tu peux y aller, mais non, il y a des barreaux. Ils ont prévu le coup, les mecs. Là, il y a un mec qui est au taquet, on sait pas pourquoi. Toujours. Et là, il y a ce truc. Je pète tout. Oh, ça marche. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche à moitié. Peut-être le mieux que ça. Ok, tu peux pas. Ta musique est un peu énervée, mais c'est juste parce que j'ai... Ouais, on est bien. Ah, je peux passer plus ou moins, mais... Il y a un garde au bout, quoi. Et ça, c'est pas cool. Alors, 1, 2, 3, 4. Vas-y doucement, on n'ait pas peur. Hop. Prends ton temps, voilà. Tu vas prendre la porte à gauche, parce qu'il y a un garde à droite. Oh, il n'y a pas de garde, d'accord. Ah, bah là, tu vois, ça s'ouvre, hein. Tu vois, on est bien. Tu vois que la carte magnétique, elle servait à quelque chose. Tout à l'heure, je sais pas. Quand j'ai voulu cliquer sur la porte, ça fait de la merde. Tu cliques à côté. Sûrement. On est bien. On sauvegarde. Oh non, c'est bon. Ouais. Trop chiant le passage. Oh là là, j'ai toutes les clés de l'univers. Oh, le sarcophage. Ça y est. Eh bah dis donc. Ah, il est pas là. C'est pas un sarcophage, c'est un bureau. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un would go through the trouble of stealing a box with a very ancient corpse. This city is not that dull. Beckett, qu'est-ce que vous faites ici? Bah, il est où le sarcophage? Since it's missing, I'm inclined to believe it was stolen, or intentionally misplaced, if you like. Clearly, though, it's not here. Alors, que faites-vous ici? I'm an archaeologist, so I thought I'd indulge in a quick study of this Ankaran sarcophagus everyone's so riled up about. My guess, from what I've read about it, is that it's a mummified Mesopotamian king. I needed confirmation. Ça veut quand même dire que tout le monde rentre dans le musée avec une facilité déconcertante. Beckett, les voleurs, et puis moi je suis là, en train de courir à la merde au cul entre deux caméras. Putain, c'est dur. C'est vous qui l'avez volé. If I stole it, I would know where it was, and most likely wouldn't be looking for it here. Ah, tu me prends de haut, fais gaffe quand même, hein. Alors qui l'a volé? Interesting choice of words. Weren't you here to take it away? Wouldn't that make you an attempted thief? Oh, il est malin! Le prince Sacroix m'a demandé de le rapporter pour que la Camarilla le protège. Comment savoir que vous ne l'avez pas volé? Savez-vous qui l'a volé, oui ou non? Non, je l'aime bien lui, le prince de la Croix, blablabla. That definitely doesn't make it theft. Savez-vous qui l'a volé, si ou non? Every supernatural creature in Los Angeles is suspect, as are most human thieves. I suppose we may want to question magicians as well. Les magiciens. T'as vu l'occasion de les regarder? Oh, I really wish I had. All this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent of Gehenna is making me cringe. These are the kinds of ridiculous, superstitious assumptions I came here to debunk. La hyène? Armageddon, doomsday, the end of all kindred. It's a common facet of most mythologies. Fear that the world will end. Many believe Cain and the antediluvians will return to consume or destroy all kindred. Pourquoi? I wholeheartedly disagree. Un antédiluvienne? No one I know has ever met one. But each of the clans and their bloodlines supposedly trace their origin to an original vampire, an antediluvian. Some swear these grandsires still exist into the present. But then, kindred and kind believe a lot of strange things.
Cain? Cain is the biblical first kindred and founder of the mythological first city, Enoch, a place where kindred and kind coexisted. I believe Cain's a figure concocted to personify the transition from nomadic society to agrarian society. Oh, le mec! Myth, l'érudit, like pardon! Most, has been twisted by time. Ouais, d'accord. Les temps clairs. Thin bloods rarely exhibit features or powers of their clan, and many can't embrace. Some are even rumored to have reproduced. Many kindred are terrified that their weak blood heralds the dissipation of every bloodline. Somewhat of an ignorant reactionary response, don't you think? Je ne sais pas. Pourquoi ne croyez-vous pas à la Gegenne, d'autres signes de la Gegenne? Je me moque de tout cela, je veux juste retrouver les sarcophages. D'autres signes? What prophecy doesn't have vague, apocryphal signs? Let's see. The usual ones cited are the appearance of thin bloods, Cain sightings, doom, gloom, that route. Pourquoi ne croyez-vous pas à la Gegenne? As I said, many cultures have the fear of some form of apocalypse. Kindred believed in these stories when they were human, and naturally carried them over into kindred myth. But it doesn't take a supernatural act to cause widespread destruction. Humans and kindred are just as capable of managing their own destruction as a deity. A self-realized Gehenna warrants more vigilance than a god-induced one, don't you agree? Such is my argument, which so frequently falls on deaf ears. C'est beau ce que tu dis. J'aime bien. J'aime bien. Apprends-moi des choses. C'est fascinant. Depuis combien de temps étudiez-vous les vampires? For 300 years, I've been trying to determine the function of our existence, the kindred's role in the world. I'm not content to attribute it to some act of supernatural biblical vengeance. We exist for a reason. And if it takes another 300, I'll figure it out. Any thoughts? C'est augmenté? Oh. Mais pourquoi? Nous sommes des mutations avec des pouvoirs comme dans les comics. Ouais, tais-toi. Nous sommes l'étape suivante de l'évolution humaine. Non, tais-toi. Nous sommes des extraterrestres venus d'ailleurs. Non, tais-toi. Nous sommes des démons et le sang du monde nous appartient de droit. D'accord. Il n'y a pas un truc plus... non? Aucune réponse ne me plaît vraiment. Hein. C'est ennuyeux quand même. Hein. Des mutations. Bon, si, remarque, oui, si t'enlèves la partie comics, t'as pas tort. The extent to which movies have shaped modern belief systems is extraordinary. Still, it's a better explanation than a divine sentence for manslaughter. Je ne sais vraiment pas. My sentiments exactly, but there's time to rectify. Tu es trop intelligent pour moi. Well, my work here is stolen away into the night. Think I'll do the same. Si vous trouvez les sarcophages, appelez les prêtres. Buenas noches. Ah, on se téléporte. Ah bah dis donc, là c'est bien, parce que là non, là le chemin retour, non, non, non. Et hop, nous revoilà. On a été accroupés derrière ce taxi. Je vais aller voir Picha tout de suite. Allez, barre-toi. Où est-ce qu'elle est déjà? Elle est là. On va aller la voir ce qu'elle nous donne en échange du fétiche récupéré au musée. Raccourci. Et hop là. Elle va être contente. Enfin, quoique. Est-ce qu'elle peut être contente, elle? Je ne vois pas crier de joie. Non. That girl you sent to me. I've grown used to masquerading as one of them and seeking something suitably feeble enough to cull from the herd. That's the first time I've had one delivered. Ah oui, c'est la comment la goule du vampire qui a disparu là, qui était aux confessions, Patty, je crois, qui était là. Ouais, tu connais machin, t'es un vampire, il est trop puissant de toute façon, donc tu peux pas le connaître. Une pétasse, fallait la faire disparaître, donc on l'a envoyé voir Picha. Picha, elle mange des gens. C'est bien, hein? C'est bien. Voici l'objet du musée. Yes, this is genuine and of use to me. There is something resonating from it. A whisper. I will give you this in trade.
It is known as the Odious Chalice. Oh! It swells with spilled blood and offers its blood. C'est bon ça. Ça a l'air bon en tout cas. On dirait le visage d'un porc humide et putréfiant. Merci, encore une question. T'es un porco? Yes. Humido. Et adios. Alors c'est quoi? Oh, un coquillage. Oh mon dieu, c'est immonde. C'est pas du tout un coquillage. C'est pas ce que c'est. Coquillage, intestin, c'est mystique. C'est odieux, c'est un calice odieux. Nombre de points de sang, 0. La création perverse d'un façonneur de chair, Tsimis. Cette abomination est vouée à une éternité de servitude aux damnés. Lorsque vous tuez des ennemis, le calice se remplit de sang. Utilisez-le pour vous nourrir et bénéficier de son stock de vitae. C'est bien ça. Alors les Tsimis, ce sont des mecs du sabbat. Voilà. C'est un petit peu impie tout ça, comme on peut le constater, vu l'apparence. Faut pas juger sur l'apparence, mais là c'est quand même bien dégueulasse. Et voilà, le sabbat c'est pas juste des blaireaux en guenilles qui courent partout avec des griffes. Non, non, non. Allez, on va aller voir le prince Lacroix. Faire notre rapport, bah, il va être content. Ouais, il va nous engueuler, mais bon. Il n'y a qu'à demander à quelqu'un d'autre, hein. C'est vrai, quoi, merde. Oh, excuse me, starting to doze off there. Oh, I need to get a guard animal of some sort to alert me when folks come in. Maybe one of them chimps like on that show Ape Detective? That monkey always gets his man. Vraiment, c'est satané à 30h, il n'y a pas le temps, là. Oh, yeah, Mr. LaCroix is expecting you. For a young guy, he sure likes to work late. Me, I spent most of my youth in the entertainment industry. Yeah, I guarded the sets for over 6 top 10 TV shows. T'es bien, t'es bien. Mais on parlera plus tard, Chuck. On l'aime bien, il est énervant, mais on l'aime bien quand même. On peut pas engueuler un mec comme ça, il est trop innocent, ça sert à rien. On peut se défouler dessus un petit peu, mais la gentillesse reprend. Hein, reviens tout de suite. Oula, putain. Ouais, regarde dehors. Oh là là. Ah, oh, je vais me faire engueuler. Aide-moi, shérif. Je pourrais presque lui monter sur les épaules. Ouais, presque. Ça va? Dis-moi que ça va. The folly of leadership is knowing that no matter what you do, behind your back there's hundreds, certain that their own solution is the sounder one, and that your decision was the byproduct of a whimsical dart. Bon, il a pas l'air trop énervé après moi. The blast sentence, and I soak the critical fallout. I make the decisions no one else will. Leadership. I wear the albatross and a bullseye. D'accord. Tu portes l'albatros? Ça va sinon? De quoi vous parlez? Si vous preniez des bonnes décisions une fois de temps en temps, personne ne se plaindrait. Non mais pour l'instant, il a rien fait de mal, arrête. Mais de quoi tu parles? The blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grout will be called. Ah bon? Rodriguez's execution is only a matter of... C'est pas le sarcophage alors, rien à voir. I have lit the fuse. If a war ignites, it's my head that will sharpen the pikes for. Now to the matter of the sarcophagus. Okay. Do you need assistance bringing it up? Ça va, c'est vite remis, c'est bien. Pour le sarcophage, apparemment, il a été volé. Stolen? Yeah. Stolen? Ah, how? Merde. Who would... Oh, Gary. Gary, you... Treasonous maggot. Il a trouvé un coupable. On est bien. Your treachery, sewer rat. Pouvez-vous me dire qui est Gary? The Nosferatu Primogen. Carrément. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. Ouais, que tu m'as pas donné. Ones you knew. It's obvious to me now. My mistake. Les Nos. I want him found. I want him. Found. The sarcophagus could be exploited, causing who knows what catastrophe to this city. If it were to fall into the wrong hands. Alors, tu sais ce qu'il y a dedans alors? Tu crois vraiment qu'il y a un primogène dedans? Je vais retrouver Gary le sarcophage. Quand vous dites on, vous parlez de moi, j'imagine. Qu'est-ce que vous donnez en échange du sarcophage? Je pourrais peut-être le trouver. Si, parce que ça commence un peu. Tu me donnes pas de récompense. Hein. You will find the sarcophagus because I already entrusted its retrieval to you before. And you failed to bring it back. Oh, c'est pas très gentil.
Soyez raisonnable. The Nosferatu lurk in the filth below the streets of Hollywood. Hollywood? Not even I know just where they hide. Hollywood is, unfortunately, lacking in any Camarilla loyalties. Hollywood's baron is an anarch named Isaac. Isaac's more civil than the anarchs downtown, but nonetheless, he wears his mistrust of me on his sleeve. He may know how to contact the Nosferatu. Find Gary and get him to talk. Maeve. That sarcophagus could be used against us. Do not come back until you have it. Now, I must announce the Blood Hunt. Tu l'as pas encore fait, ben le fais pas. I'll bear the brunt of all consequences. Mais non. Escort him out. Non, arrête. Non. Sois raisonnable, arrêtez. Oh non, c'est trop tard. Junk. I'm sorry there, but Mr. LaCroix, he told me not to let anybody up right now. He sounded kind of PO'd. Must be all the late nights he's working. Anyhow, I can't let you go see him right now. Sorry. L'important, c'est que les tics qu'il y ait une attention cette idée. Mr. LaCroix was real specific. Il me résiste. And maybe if you come back later, he'll calm down. He seems to be all tore up about that sarcophagus that got stolen from the museum. Must be a real history lover. Je reviendrai. Not supposed to open the doors for anyone. Sorry. Bibaco. Bon, je dépense un petit peu des points d'expérience. 14 points pour cette mission éprouvante. Encore une. Deux d'affilée, ça fait beaucoup. Là. On va augmenter la thaumaturgie. Hein. On va viser le maximum. Au niveau 4, on a vol de sang. Donc, hein. Le sang de la cible est drainé et renvoyé vers vous. Plus la victime meurt, c'est sympa. Mais alors, chaudron de sang, le sang de la victime se met instantanément à bouillir, ce qui finit par la faire exploser violemment. Les individus se trouvent à proximité, subissent des dégâts dus à l'explosion. Bah ça, on est d'accord qu'il le faut, hein. On est d'accord.